Bon, on va essayer ici. Donc en fait, notre périple a commencé par la Belgique. Alors on va commencer par dire bonjour aux Belges. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, voilà, moi je me présente Damien, je fais le tour Bédicassa. Qu'est-ce que tu fais là? Donc voilà, en fait c'est un petit tour du monde. Et donc pour nos auditeurs, ce serait bien de savoir un petit peu où on est, que vous expliquiez un petit peu. Alors nous sommes à Bruxelles, pour une fois il fait un peu beau. Je bois une petite Creek Bellevue, tu sais. Non, je connais pas, mais je les connais pas toutes en fait, les bières belges, donc... Écoute, la Belgique, c'est moule, c'est frites, surtout c'est moule. On reviendra. Un comique, hein. Je vois que monsieur est un comique. On va le laisser, on va le laisser non, un petit... Non, j'ai pas fini. Le monsieur a pas fini, donc attends. Alors écoute, à Bruxelles, je vais t'expliquer un truc. Tous les gens sont gentils, les bars ne ferment jamais. Et même, tu peux nettoyer le bar en ayant des bières à l'œil, si tu sais où aller. C'est quand même pratique. C'est beau ça. Non mais c'est bien, comme ça au moins les gens connaîtront les bons plans de Belgique. Donc nous on adore les Français mais pas trop. Ah mais c'est normal, ils font des blagues. Ah c'est pour ça, sur les Belges. Ouais, principalement, ça nous fait rire. Ouais mais nous on est bon public. Ça tombe bien. Allez. On reviendra. Parce qu'il y a rire et rire. Il y a rire et rire. Mais puis c'est dans mon dû dire que je transpire. Ça me fait pas rire. Moi un petit peu quand même. La Chine. Bonjour. Ni hao. Ni hao. Bon, je m'appelle Benoît, je viens de Tine, t'es très bien latine. Donc vous parlez français en plus, c'est, ben, c'est pratique. Tout à fait, je viens de Tine, mais j'ai appris le français à l'école, comme vous apprenez, je sais pas, peut-être le japonais ou l'anglais. D'accord, ouais, c'était bien, et vous avez fait vos études à Paris ou... Non, j'ai fait mes études à Beijing. À Beijing, ouais, très bien. Très bien, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis tenteur itinérant. Chanteur itinérant. Tout à fait, de tente des comptines tinoises, avec des instruments tinois. Vous pourriez nous faire une petite démonstration? Non, des fameux instruments. Ah bah oui, je comprends. Pas possible. Je comprends. Eh oui, bon, bah, je vais pas vous embêter plus longtemps alors, merci monsieur. Ça m'a fait plaisir, Tétier. Vous êtes qui, vous me dites là? En fait, je suis un de vos confrères français. De Paris, là, je connais bien cette ville, là. J'y suis allé la semaine dernière. La semaine dernière, bah, c'était tout récent en plus. Là, je mange un petit steak de caribou. Bien, mais là, très sympa. C'est une spécialité d'ici. Très bon, vous voulez goûter? Je veux bien, merci. Goûtez donc, vous allez voir. Ah, effectivement, c'est un sacré fumé. Ça craint un peu du cul, là, mais ça craint pas beaucoup. Effectivement, je remarque. Pour nos auditeurs, vous pouvez préciser où est-ce qu'on se trouve? Et on se trouve en plein centre de Québec. Ben oui. Au Petit Nice. Le Petit Nice, c'est comme le sud de la France. Il y a du soleil toute l'année là, au Petit Nice. Ah, c'est quand même assez pratique. Et on boit des mojitos. Ah oui, par contre, c'est pas vraiment une boisson du Québec. Des mojitos, là, puis c'est bien bon. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie pour ce petit moment et je vous souhaite une bonne soirée. Je suis tellement content de vous rencontrer. Là. C'était tellement un plaisir. Bien. Sur ce, à bientôt, j'espère. À bientôt. Bonjour, salam. Salam alaikum, la baisse. La baisse. Donc, je suis désolé par contre, la langue, je maîtrise pas encore vraiment. Je me présente, je fais le tour pour Bédicassa. On fait un petit tour du monde. Bédicassa, c'est un système d'hébergement chez l'habitant. Bédicassa, donc, c'est mon cousin. C'est ton cousin, ça tombe bien. C'est bizarre quand même comment elle est la vie. Eh oui, okay. Justement. Un steak d'agneau, je veux bien goûter, ouais, merci. Goûte, tu vas voir, c'est très bon pour la santé. Ah ouais, c'est pas mal, ça me rappelle un peu le steak de caribou de votre frère jumeau. Comment? Ça me rappelle un peu le steak de caribou de votre frère jumeau. Un steak de quoi? De caribou. Ah, j'ai pas compris le caribou, c'est pas possible dans le pays ici. Là, mais justement, c'était votre frère jumeau à Québec. Ah, comment il s'appelle? Il m'a pas donné son prénom par contre, on fait juste un petit tour. C'est dommage, franchement, Adil, c'est dommage. Ouais, je sais. Vous pourriez parler un petit peu arabe pour nos correspondants? Comptez par exemple jusqu'à 10. Bien, au moins voilà, ça donnera un petit peu de culture à cette vidéo. Oui, la culture, c'est bien pour la santé. C'est bien pour la santé. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Salam, à bientôt. Salam alaikum.
die Hühner und die Kräuter, dann die Touristen, der Lutz, die Gehen.